Selon les parents, les punaises de lit ont envahi cet établissement scolaire depuis plusieurs semaines. Des punaises qui ont colonisé les dortoirs de l'école maternelle. Résultat, de nombreuses familles ont dû consulter leur médecin en urgence. C'est ça, obligation d'aller voir le médecin, des piqûres sur tout le corps, des parents qui ne comprenaient pas ce que c'était au début parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à ça. Et puis un risque aussi de contamination mais dans leur logement et auprès de leurs autres enfants. Donc ça commence à devenir assez sérieux quand même. Alertés, les services municipaux ont finalement dépêché ce matin une équipe d'intervention. Mais les parents sont loin d'être satisfaits. Aujourd'hui, en fait, la mairie doit envoyer des tentes chauffantes pour désinsectiser l'école maternelle. Sauf qu'elle a décidé dans son protocole de ne désinsectiser que les deux dortoirs et les murs adjacents aux deux dortoirs. Donc ne sont pas concernées les classes directement attenantes aux dortoirs et pas non plus les autres classes de l'école maternelle. Donc nous, on est là aujourd'hui pour dire qu'on veut que ce soit toute l'école maternelle qui soit désinsectisée et pas seulement les deux dortoirs. Les parents ont donc décidé de bloquer l'école tant que la désinsectisation totale ne sera pas réalisée.